Dibidaba. Ça y m'en va. Au Bénin avec un artiste français et un artiste béninois. Donc moi c'est le béninois, donc le français s'appelle Joël Pascal. Donc il est arrivé au Bénin, on a échangé ensemble et après on a fait tout un travail ensemble. Et voilà une structure à côté, on a, ben, la structure elle est emballée à moitié, mais c'est pas grave, vous la verrez, ça va être la surprise pour le vernissage. Donc voilà, et le but de la résidence c'est d'échanger ensemble et de, parce que le thème de l'expo s'appelle rencontre en fait. Donc c'est rencontre de deux cultures. Donc voilà, pour moi je travaille le métal. Lui il travaille la récupération, un peu de tout. Donc du coup on a beaucoup discuté par rapport au travail et tout. Donc on a essayé de faire une sortie des œuvres comme d'habitude. Donc c'est ce que j'ai raté sur l'exposition. Bon, mais là, vous avez devant vous une sculpture à moi, j'appelle sculpture tresse en fait. Voilà. Donc là, c'est une œuvre sans titre. Et ce que je mon souhait, c'est que les gens se retrouvent dans cette coiffure et puissent donner un nom. Des fois, il y a des sculptures qui portent des noms, des fois, il y en a qui portent pas de, qui n'ont pas de titre. Donc, l'essentiel, c'est que les gens regardent et puissent donner, qu'ils puissent donner un nom à la sculpture, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est emballé parce qu'on attend le, 18h30, l'heure du vernissage pour déballer. Ça va être la surprise. Donc voilà, ça c'est une sculpture, voilà, que je vous parlais, sculpture tresse. Et apparemment, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Bon, on m'a fait une réflexion, que ça ressemble à quelque chose. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Moi je vois une coiffure. Donc pareil, voilà, c'est que mes sculptures tressent, voilà. Donc on attend que 18h30 pour que les bonnes choses soient.